Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Halo qui est enfin arrivée. Alors pas en France, pour cela il va falloir être patient, puisque ce n'est qu'en mai que la série devrait arriver sur Canal+. J'ai pu voir le premier épisode hier, et je ne vous cache pas que j'étais vraiment très enthousiaste à l'idée de le découvrir. Cette vidéo n'a pas pour but de divulgâcher quelques éléments, quelques événements que ce soit, mais plus de donner une vision globale de ce que ce premier épisode a pu nous dire, a pu nous montrer. Je vous garantis que nous allons y revenir longuement ensemble dans de futures vidéos, ou peut-être de futurs lives sur Twitch. Ce premier épisode ouvre le bal d'une toute nouvelle série qui saura parler autant aux fans, donc de la saga Halo en jeu vidéo, qu'à ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers de Halo. Les événements qui nous sont présentés nous sont donc expliqués, ou alors restent en suspens, mais sont pour autant assumés, et l'on sait que nous allons avoir des explications plus tard. Très rapidement, dans ce premier épisode, nous retrouvons des noms familiers, ça on le savait si on s'était un petit peu renseigné sur la série, mais les rôles sont chamboulés, les rôles des personnages que l'on connaît sont un petit peu chamboulés. Oubliez ce que vous savez déjà sur Halo, cette série, elle fait le choix de surprendre, et je pense qu'il faut vraiment prendre ça en compte. Cette série fera plonger ceux qui ne connaissent pas Halo dans un tout nouvel univers, et surprendra les fans de la première heure, et ça c'est vraiment génial. Je vous rassure, tout ce qui est présenté dans cette série est du Halo tout craché, mais en même temps, tout est neuf et tout est frais. On sent que tout pourrait basculer d'une seconde à l'autre, pour notre plus grand plaisir. Et c'est vraiment formidable de pouvoir se sentir embarqué dans cette toute nouvelle aventure qui ressemble en fait plus à un reboot qu'autre chose. Personnellement, et encore une fois, sans vous divulgâcher une quelconque surprise, j'ai vraiment l'impression de retrouver l'écriture des débuts de 343 Industries. Bien sûr, en étant plus travaillé, les événements étant plus amenés, mais j'y retrouve cette énergie que pouvait avoir la campagne de Halo 4, que pouvait avoir son Spartan Ops ou même la web-série For Horn into Dawn qui nous présentait le personnage de Lasky. Alors, sur internet, les avis tombent, et comme pour chaque création Halo depuis longtemps maintenant, il y a des avis partagés. Pour certains, cette série est bonne, pour d'autres, ils ont perdu ce qu'ils pouvaient aimer dans Halo. Beaucoup se contentent seulement de critiquer le choix des acteurs qui sont malgré tout très bons. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a un petit peu tous les avis qui sont sur internet, et par rapport à ça, faites-vous, vous, votre propre avis en regardant la série, que ce soit maintenant, que ce soit quand elle arrivera sur Canal+, ou en DVD peut-être. Voilà, faites votre propre avis, n'écoutez pas forcément les avis des autres, même le mien, voilà, là ce que je suis en train de dire, ne l'écoutez pas. Alors attention, je me montre quand même assez emballé, parce que c'est un projet télévisuel que beaucoup de fans attendent, depuis plus de 10 ans maintenant, et j'en fais partie, mais tout n'est pas parfait, du moins dans ce premier épisode. J'ai remarqué, du moins à mon sens, plusieurs dialogues un petit peu faibles ou un petit peu faciles, ou certaines scènes de combat qui ne m'ont pas du tout transporté, mais ça je l'avais déjà remarqué dans les bandes-annonces. Quoi qu'il en soit, comme je vous le disais, vous retrouverez dans cette série tout ce qui fait de Halo, Halo, mais peut-être pas comme vous l'entendez. Cette vidéo ne va pas s'éterniser plus longtemps, comme je vous le disais, nous allons très vite revenir sur la série dans des vidéos plus détaillées. Nous y sommes enfin, la série arrive. Et pour le coup en France, on n'est pas bien chanceux. Mais elle arrivera sur Canal+, avec une version française, je le précise, parce que je vois beaucoup de personnes qui posent la question. En attendant de futures vidéos sur le sujet, ou même de futurs lives sur Twitch, un tout nouvel espace dédié à la série a été ouvert sur Discord. Si vous n'êtes pas sur le Discord Halo.fr, un lien se trouve en description pour pouvoir le rejoindre et déjà pouvoir parler de la série entre fans d'Halo. Je vous dis à très vite pour parler de Halo. Prenez soin de vous, s'il vous plaît, dans les commentaires, pas de spoil si vous avez pu voir l'épisode. Vive Halo, à très vite!